Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va vous enseigner comment activer votre système d'exploitation. Ce sont des choses selon lesquelles nous le vivons quotidiennement. Votre système ne peut pas durer aux environs de 4 mois sans avoir demande de l'activation. Alors, de ce fait, chaque personne a besoin de cela. Pour le faire, c'est simple. Vous voyez ici en bas, bel et bien, mon système est désactivé. Alors, la première des choses à savoir, c'est de désactiver d'abord le parfait. Ça, c'est la première des choses à savoir. Au moment où on a désactivé le parfait, pour ce faire, nous venons directement ici taper panneau de configuration, par exemple. Et il pouvait nous ramener automatiquement ici, là où vous voyez système et sécurité. Alors, il suffit de cliquer ici et nous venons directement là où il y en a parfait Windows Defender. C'est le parfait selon laquelle moi j'utilise. C'est celle qui me protège de pas mal de choses. Alors, je veux le désactiver en premier lieu et je viens directement ici. Et je clique là, et là, le parfait est activé, mais de mon côté, je dois le désactiver pendant un certain temps de installer l'activation, comme l'activation, je ne l'ai pas acheté, mais c'est une activation craquée. Au moment que c'est fait, là, le parfait est déjà en obsolète. Là, je peux directement aller autre part pour résoudre encore un autre problème qui peut nous poser de tort. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va y faire? On va aller directement dans notre fameuse pare-feu. Ça se trouve ici. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Le pare-feu va venir directement ici que vous voyez là. Voilà. Si vous regardez, il faut regarder très bien. C'est là. Vous cliquez ici. Comme le pare-feu est désactivé, vous voyez ici, il y en a des ongles ici, là. Vous cliquez là et vous remontez un petit peu jusqu'à ce que vous trouviez directement gérer les paramètres. Et là, il y en a les paramètres en temps réel. Ce paramètre en temps réel permet directement de supprimer n'importe quel fichier que Microsoft ne le comprend pas ou qu'il le voit directement que ce fichier compte à faire des choses qui n'est pas bon par rapport au système d'exploitation, le fait de payer l'argent directement à Microsoft. Nous, on compte pas payer parce que nous sommes des Africains, comme vous le savez. Alors, cela va nous permettre directement de désactiver une certain temps, bien sûr, et de se concentrer directement à l'installation. Alors, de ce fait, on va venir directement ici. Je l'ai mis là. J'entre là. Et encore, et je trouve mon fameuse clé d'activation 64 bits. Dès que je le clique, le système en tant que tel, il va s'afficher comme ça. Il y en a la partie activation, il y en a la partie système en tant que tel, l'information du système, il y en a l'information sur Office, tout ce qui est Office, et il y en a aussi l'activation Office. De ce fait, on va venir juste là, mes chers amis, et cliquer activation de votre fameux système. Alors là, l'activation va se lancer, et là, l'activation est avec succès, et dans ce cas-là, le système va automatiquement supprimer le fameux activé Windows, et là, tout va se réjouir. Et on va trouver un bon système avec l'activation. Comme vous le voyez, ce fameux activer votre système est disparu. Et là, je peux tout simplement démarrer mon système d'exploitation. Et là, il va automatiquement mettre tout ça à la merveille. Il va ouvrir toutes les parfaits et autres. Et là, le cours de la vie vont continuer et vous pouvez utiliser votre système sans souci. Alors, c'est ainsi que notre tuto va terminer.
Et si vous avez besoin du logiciel, il suffit d'écrire directement. On va vous donner le lien là où vous devrez directement aller récupérer le logiciel sans souci pour que vous puissiez faire votre travail. Alors, à très bientôt, mes chers amis. Plus de commentaires me fera énormément de bien, mais aussi d'abonnements.